Est-ce qu'il faut parler d'élection? Non, on n'est pas parlé encore. Non, ok. On fait ça comme d'habitude. Ouais. Moi, je suis orphelin, des enfants du Blissy. J'ai appris mon métier tout seul. Je te fasse les cheveux, même. Non, je veux juste faire la barbe. Ça va être bien plus beau, les cheveux faits. La barbe faite. T'as vu, dans le journal, le matin, il y a un barbier dans la Beauce qui... il fait ça, il demande à ses électeurs pour... c'est-à-dire qu'il y a un espèce de registre, puis il demande à ses, ses clients de mettre une croix là, pour qui ils vont voter. Ah oui? Ça fait 30 ans qu'il fait ça, puis à date, il ne s'est pas trompé. J'étais jeune, j'avais à peu près 15 ans. L'heure du midi, j'étais dehors. Ça m'arrive dans ma pensée, barbier. Hein? J'aimerais ça, moi, faire un barbier. Les prix ils ont baissé un peu. Hein? Ils vont monter, là. On échange de l'argent américain. T'as-tu voté? Oui. Ah, c'est ça que j'ai dit. J'ai voté pour libéral. Ah, ouais? Ouais. Pour le. Monsieur Philippe, lui, il a de la sagesse. Comme moi, j'ai changé mon char. Là. Ah oui? Pas bien longtemps après. Parce que moi, dans ce temps-là, je restais à Rivière-du-Loup. Fait que j'ai fait les cheveux-là pendant un an par le soir. Après ça, je suis revenu à Québec. Mère Saint-Pierre de Rome, elle m'avait donné une lettre de recommandation. Qu'est-ce que ça? Hein? Ça pique! Ça pique, c'est bon signe. Ça, c'est de la couole. La couole. La plus grosse maison que je m'en vais rencontrer, c'est des bacs. Enfin, finalement, j'ai démarqué, c'était marqué Institut Saint-Jean-Bosco. Fait que je rentre là, il y avait un directeur à rentrer, là. Montant des marches. Le directeur il dit bonjour, bonjour. C'est quoi qu'on peut faire pour vous? Là, il appelle tout de suite le frère Sébastien qui s'est coupé des cheveux. Il monte au troisième étage, fait les cheveux à un élève. Le frère Maurice il m'a dit, c'est champion. Oh, moi ça m'a donné des plumes. Hein? Bruno, c'était un barbier, puis je travaillais pour lui. Fait que ce soir-là, il fêtait ses 50 ans de métier, puis il m'avait invité. Ça, j'avais 17 ans. J'avais des cheveux, je n'en avais pas. Là, j'avais 21 ans. J'étais dans un corps de sécurité. Là, c'est une photo de karaté. Ça, c'est ma fille. Ça, c'est mon ex. J'ai tiré à l'arc pendant une quinzaine d'années. Ça, c'est moi.
je me gardais un cheval. Ça, c'est mon chien. Moi, j'ai accepté Jésus dans ma vie. J'avais 40 ans. Accepter Jésus, c'est pas accepter une religion. Jésus, c'est une relation. Puis la parole de Dieu, elle nous dit de croire à son fils. De pas croire à un père. Tant que Jésus est venu sur la terre, il a jamais dit de croire à un père ou un prêtre. Parce que Dieu dit, maudit soit l'homme, se confie dans l'homme. L'homme, on doit le respecter, mais c'est seul Dieu qu'on peut donner toute notre confiance. C'est Saint-Gorin aujourd'hui. Ben oui. Ben oui. J'ai dit ça tantôt. C'était ma journée anniversaire. Tu parles un cadeau. Eh, gros merci. C'est qui joue demain? C'est la chandelle. C'est une chandelle. La chandelle? Ah, oui. Elle a une surprise, oui. Ici, ça fait 28 ans que je suis ici, coin Chevaux-Lormière. Puis j'avais un employé, j'ai vendu ça à lui, à mon employé. J'ai parti 14 ans en campagne, à Saint-Patrick de Beaurivard, dans l'Aubinière. Je suis revenu lorsque j'ai vu qu'à la campagne, il y avait plus de têtes de vache qu'il pouvait avoir de têtes d'humain dans le village. La porte était débarrée, je suis entré. Ouais. Puis je suis allé voir dans l'autre côté, je t'ai pas vu. Ah, La porte du sol était ouverte, je suis descendu un peu, j'ai lâché un cri, puis j'ai pas rien entendu. Bon, pour moi, il dort. Je me rappelle, j'avais sorti pour pelleter en arrière de la galerie. Ah bon? Puis les renvois. Il y avait des renvois qui étaient comblés, là, du sel. Puis avez-vous sonné? Oui, j'ai sonné. Ah. J'ai sonné, j'ai cogné, j'ai crié. Bonne réponse. Bonne réponse. Et c'est pour moi, il ne veut pas travailler. C'est trop court, malheureusement ça pousse. Eh bien, ça pousse. Non, c'est parfait. C'est la fin de mon histoire vécue.